Bonjour, qui ne connaît pas la tronche en biais? Qui ne manque pas? Bon, c'est très bien. Comme il y en a quelques-uns. Alors du coup, j'ai préparé une slide pour que Vlad vous présente qui on est. Je vais aller avec eux plutôt. Mais prends un micro, Vlad, viens. Oh, on ne comprend rien, c'est un son, c'est terrible. Vraiment, tu veux y faire aussi. Comment j'ai lancé le micro? Non, bah oui, non, bah oui. Non, mais je connais. Ah bah oui, c'est là, rien. Power. Bon courage. Oui, ça fonctionne. Bravo, Vlad Tapas. Alors voilà une petite slide de qualité supérieure, comme d'habitude, qui présente la constellation des choses qu'on fait un petit peu sur Internet et en dehors. Alors la première, bien sûr, c'est la chaîne YouTube. Globalement, c'est pour ça qu'on est le plus connu. Mais on est aussi très, très actif sur Facebook. On a une page sur laquelle on écrit très, très régulièrement pour donner des éléments afférents à l'actualité sceptique ou de temps en temps pour donner des petites citations et des trucs un petit peu sympas comme ça quand il n'y a pas d'actualité sceptique. On a aussi un site internet qui s'appelle La Menace Théoriste, qui est un blog, en fait, dans lequel, surtout Mandax, mais de plus en plus des intervenants extérieurs, viennent pour écrire des articles sur des sujets, justement, de l'esprit critique, de la démarche scientifique, de la zététique, au sens plus large. Et enfin, on a monté une association qui s'appelle l'ASTEC, l'Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique, avec laquelle on essaye d'intervenir un petit peu plus physiquement à des événements pour faire la promotion. Non, en fait, il y a un problème avec mes slides, c'est voilà, c'est ça, on est là, on est très bien. Faire la promotion de tout ça, oui. En fait, il y avait un exercice qu'on avait prévu pour autre chose et j'ai récupéré le slide. Du coup, c'est pas du tout ce qu'il fallait, j'ai corrigé le début, mais voilà. Du coup, comme les gens, ils étaient concentrés sur ce que moi je disais, t'aurais pu faire passer ça très discrètement. Oui, je préfère être honnête, tu vois. L'honnêteté, c'est la transparence et c'est l'incompétence. Donc. Comme au gouvernement, vous voyez, on peut être là devant vous et se présenter comme des experts, mais être complètement incompétent dans le domaine. Et honnête. Alors, gouvernement, ça doit arriver aussi. Donc, tu avais fini pour l'introduction de la tronche en biais. Globalement, de notre travail sur Internet, voilà. En dehors. Voilà, donc, avec des. Et donc, en dehors, on fait des conférences, des ateliers de formation, des trucs cool et tout. On vient montrer nos gueules avec des déguisements. Donc, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous expliquer comment bien débattre. Voilà. Donc, on va avoir avec vous les bonnes pratiques pour un débat intelligent. Et le but étant de gagner. Hein. Toujours. Pourquoi débattre sinon pour ça? Donc prenez des notes. Le but, le prochain président de la République est dans cette pièce. Voilà. Vous allez être élu grâce à nos bonnes pratiques. Donc étape. Ça va vous étonner. Étape numéro. Comment? Il n'y a pas de président. Et, bah, et comme quoi, malgré tout, il y a quand même un futur président. Encore plus fort. Et puis je vois des Français. Parce que les rois, on les élit moins bien que les présidents. Donc, étape numéro 1, évidemment, peut-être vous le dira, mais je vous le dis quand même, d'abord, vous avez raison. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est la base de tout argumentaire. Si vous commencez à discuter avec quelqu'un, c'est pas pour apprendre quelque chose. Vous avez raison. Vous venez pour lui asséner votre connaissance. Vous n'avez donc rien à apprendre du débat. Jamais. Parce que l'autre a tort. En toutes circonstances. Et par conséquent, ne changez jamais d'avis. Si vous changez d'avis, c'est que vous avez perdu et qu'il vous a vaincu. Ceux qui pratiquent les débats sur Internet savent déjà ça. Hein. C'est le béaba. Hein. Oui. Donc, le problème dans le débat, évidemment, ce sera toujours l'autre. Parce que l'autre est tellement... stupide. C'est affolant. Il vous dit des machins et tout, il balance des arguments, mais qui n'ont aucun sens. Et en plus, il ne veut pas comprendre vos arguments, qui ont beaucoup de sens. Ou alors, il fait semblant, juste pour vous casser les... pardon, ah oui, il y a un problème. Voilà. En gros, votre adversaire est mal intentionné. C'est important de l'avoir à l'esprit. Hein. Mal intentionné et stupide. Voilà, stupide. Et bien sûr, il n'a pas le niveau. Lui est un amateur. C'est triste. Quand vous écoutez le level de ses arguments, c'est... Voilà. Donc, il vous suffit de citer une référence très particulière, très, très, très précise, et pour qu'il, lui, il ne veut pas la connaître, donc c'est la preuve qu'il est nul. Hein, pensez-y. Mais faites preuve d'un peu de bienveillance, quand même, parce que rappelez-vous que vous aussi, avant de voir les lumières, vous étiez débile, comme lui, vous non plus, vous ne saviez pas. Mais vous êtes quand même à un stade avancé par rapport à lui maintenant. C'est bien de lui rappeler que vous, naguère, vous étiez comme lui. Pensez bien à mettre en avant vos diplômes, c'est important, c'est toujours très très pertinent. Ou, quel qu'il soit. Oui, éventuellement celui d'un ami, d'un parent proche ou d'un voisin décédé. Les diplômes des autres comptent aussi. Absolument. J'ai
veux dire, si votre trisaïeul est archéologue, vous êtes capable de parler des pyramides. Je crois que j'ai mis mon casque à l'envers. C'est vrai? Oui. Alors, on parlait de la compétence plutôt. Ça, c'est sur les temps, tu vois. Mais c'est très saillant, c'est une nouvelle mode. Ouais, donc du coup, vous mettez bien en avant vos diplômes, mais si lui s'aventure à le faire, mais quel arrogant. Il a une vanité. C'est vraiment... Cette personne qui vous crache ses diplômes au visage. Quel scientisme. Crier à l'élitisme, c'est important. Pour les diplômes des autres. Voilà, et rappelez-vous que ces références sont moins bonnes que vos anecdotes que vous avez vécues. Ou que des proches ont vécues. Mais c'est pareil, vous avez confiance dans ces personnes. Qu'est-ce que c'est que toutes ces sources scientifiques bizarres là qui vous balancent? Lui-même, il n'a pas fait les expériences, c'est pas. Oui, et puis des références avec des mots compliqués. Si c'est trop dur à prononcer, ne le mangez jamais. Ça, c'est Fruit Bay qui vous dit ça. Et elle a raison. Oui, elle a toujours raison. Alors, maintenant qu'on a vu un peu le cadre du débat, évidemment, il faut le remplir. Pensez à le remplir avec plein d'émotions, parce que les faits ne servent à rien. Hein. On est des animaux émotionnels, rappelez-vous-en. Et oui, nos émotions prouvent tout. Si quelque chose vous touche profondément, au plus profond de vous-même, c'est tout. Et l'autre, si ça ne le touche pas, c'est un connard. Et nos amis, si vraiment, nous parlerons des émotions, de comment on peut les manipuler, c'est quelque chose d'important. Évidemment, en termes d'émotions, il y a un truc qui est très efficace, c'est d'être extrêmement offensé tout le temps. Rappelez-vous, ce Copé, je suis profondément choqué. Ça marche bien. Et à partir du moment où vous êtes offensé, si la personne insiste en vous balançant d'autres arguments, mais quel insensible de merde. Voilà. Donc, on peut en rajouter dans les émotions, parce que plus c'est gros, mieux ça passe. Oui, insistez. Voilà, n'hésitez pas à être en colère. Hurlez, justifiez vos droits. Il y a de saines colères. Rappelez-vous-en. Alors, la colère des autres n'est que de l'agressivité. Oui, par contre, c'est pas elle n'est jamais justifiée. Et l'autre est toujours plein de haine. Ça, c'est pratique. La haine, c'est bien. Ça, Une haine dirigée directement vers vous, mais pourquoi est-ce qu'elle argumenterait comme ça, sinon? Pensez-y. Surtout s'il y a des gens autour qui assistent au débat, pensez à dire que votre adversaire est haineux. Voilà. Donc ensuite, évidemment, on peut essayer d'argumenter. Et dans l'argumentation, pensez bien à prendre ces métaphores au sens propre. Alors, l'inverse est possible aussi. Oui, absolument. L'inverse est souhaitable. Généraliser à outrance la moindre position qu'il peut avoir, parce qu'évidemment, il peut avoir raison là, mais si son argument, vous l'étendez partout, il aura tort ailleurs, du coup, c'est pratique. Pour vous. Je veux dire, si le machin, il ne le fait pas partout, c'est qu'il est faux. C'est complètement logique. Bon, en cas d'échec, pensez à recadrer le débat. Voilà. Échec. Exactement un échec. Non, mais vous avez raison. Dans un déplacement d'intérêt. Voilà. Donc, la vérité n'est pas là, c'est pas la question. Recadrez. Pensez bien à refuser de justifier vos dires. Pour quelle raison il faudrait vous justifier? L'important est ailleurs. Oui, quoi qu'il arrive. Alors, si la personne vous attaque sur quelque chose et vous ne savez pas quoi répondre parce que vous êtes fatigué, cette personne vous énerve, vous agace, allez ailleurs, c'est pas grave. Voilà. L'important c'est d'avoir raison, peu importe sur quoi. Ou alors, restez sur place et répétez exactement le même argument avec des mots différents. Il va bien finir par comprendre. Vos arguments sont bons. C'est forcément que vous avez... Il y a bien une formule que lui va comprendre. Alors, en cas d'urgence, ayez recours à l'intimidation physique. Et, vous voyez, à l'interaction. Là, on sent qu'il n'a pas tellement envie de prendre l'ascendant. Hein. Et puis, rappelez-vous, vous êtes sur Internet. T'as pas de texte, en plus, à dire, donc t'es coincé. Hein, rappelez-vous que vous êtes sur Internet, donc de toute façon, quoi que vous disiez, l'autre, il ne peut pas vous atteindre. Voilà, soyez écœuré par la haine de l'autre, dégoûté de ce que vous voulez. Ouais. Alors, il y a un truc spécial. Oui, alors c'est... ça, c'est ouais. Merveilleux. Insulter, puis effacer l'insulte. Mais c'est spécial Internet. Ouais. Comme ça, l'autre, il va renchérir dessus, vous virez votre première insulte, et vous dites, pourquoi tu réagis comme ça? Quel manque de pudeur. Donc évidemment, ça c'est la stratégie principale qui consiste à énerver votre interlocuteur. Donc on en a fait une séquence particulière qui s'appelle énerver votre contradicteur. Puisque de toute façon, il a tort, donc vous pouvez, il y a différents moyens, évidemment, vous savez mieux que lui pourquoi il dit ce qu'il dit. Faites sa psychanalyse. Voilà, ça c'est très 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 agaçant. Complètement, je veux dire à la personne, dites-lui pourquoi elle dit ça. Vous le savez, vous étiez comme lui avant. Voilà, ce qui permet de, pour vous, un mouvement extrêmement habile, invisible et confortable, de centrer tout le débat sur la personne de votre qui intervient.
coup, vous n'avez plus rien à apporter, vous jouez juste à critiquer personne. Donc, attaque ad hominem, ad personam, c'est très très bien. Pensez également à nourrir le soupçon. C'est quand même suspect, cette personne qui vous balance des tas d'arguments, qui, quoi que vous disiez, il a réponse à tout. Ouais. Et la réponse à tout, c'est qu'il a tort. Et oui, on est complètement dans la pensée unique, rendez-vous compte. Ce type qui vous parle de la science, qui vous dit « Ouais, mais tous les experts, ils disent ça, pensée unique, c'est bon, la vérité vaut aussi bien que la tienne. » De toute façon, si vous n'arrivez pas à prouver ce que vous dites, puisque vous avez raison, c'est pas grave, l'important est que la science n'explique pas tout. La phrase ne veut rien dire, et c'est ça que ça veut. Parce que, in fine, vous pouvez aussi suggérer l'existence d'un complot. Oui, alors là, on est déjà pour des joueurs expérimentés. Parce que le complot, ça se gère. C'est un terrain glissant, parce qu'une fois que vous êtes dedans, on peut sortir. C'est un vrai d'acrobate. Voilà. On rentre. Voilà. Mais c'est un remarquable couteau suisse. C'est très, très, très efficace. Alors, évidemment, une fois que vous en êtes là, on est déjà over the top. Donc, puisque c'est l'ère de la post-vérité, en dernier recours, soyez relativiste. Voilà. Tout le monde a raison en même temps, surtout moi. Dans tous les cas, vous n'avez pas tort. Clairement. Il n'y a aucune preuve de rien. De toute façon, le mental crée la réalité, alors fuck. Voilà. Etc. etc. On peut carrément du coup être nihiliste ou pas, puisque de toute façon rien n'existe. On s'en bat. Voilà, donc fuck les règles, et ben ça va. Le principal chose étant, on en revient au début, que vous avez le droit d'avoir raison, merde. Mm-hmm. Dites-le, vous avez le droit d'avoir raison, oui. Dites, j'ai le droit d'avoir raison. Voilà, mais ça manque de conviction, je suis désolé. Pensez aux émotions un petit peu. Hein? Parce que le plus important, c'est quoi le plus important? C'est de gagner le débat. Voilà. Vous n'avez rien à gagner au débat, vous n'avez rien à prendre, il faut gagner le débat. Évidemment, tout cela est à prendre au second degré. Bonne chance. Nous allons passer la parole à... Tu veux le micro-main, le micro-casque? Plutôt à l'ancienne. Et madame, tu veux le micro... Tu parles pas? Non, pour l'instant, je veux peut-être juste toucher quelques mots sur la mauvaise foi en politique. Quelques mots, pas beaucoup. J'ai raison. J'ai très envie de voir, alors je viens avec vous. Alors, Vici, c'est moi-même, donc on s'occupe sur une chaîne Horizon Gull et sur un site Hacking Social. On s'interroge principalement à tout ce qui pourrait venir orienter nos actions, nos jugements. Ça peut être par des biais d'attribution. Alors, ça veut dire quoi, biais d'attribution? J'aurai l'occasion d'en reparler. Ça peut être par différentes orientations sensorielles, émotionnelles. Et tout simplement la situation qui a tendance à nous orienter. Et en politique, cette situation, ben, les politiciens en jouent beaucoup. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la mauvaise foi? Difficile à définir. C'est quoi quelqu'un qui est de mauvaise foi? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui manipule? Est-ce qu'il est peut-être sincère? Parce qu'on peut être de mauvaise foi sans avoir l'impression de mentir. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être le summum. C'est celui qui va, justement, le politicien, qui va non seulement user de mauvaise foi, en étant persuadé qu'il a raison et qu'il est tout à fait sincère selon sa démarche. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de mauvaise foi dès que nous sommes en incohérence ou qu'il y a une contradiction. Soit il y a une contradiction dans notre discours, soit il y a une contradiction avec les faits, sauf que les faits, nous ne les connaissons pas forcément, donc on ne peut pas savoir effectivement si la personne en face de nous est en train de jouer de nous ou pas, mais on peut être aussi de mauvaise foi parce qu'on est dans le déni. On peut être de mauvaise foi sans avoir l'intention forcément de mentir. Et ça vaut, avant de parler des politiciens, ça vaut déjà pour nous. C'est quoi la mauvaise foi pour chacun d'entre nous, finalement? Je vais prendre un exemple. C'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance. Alors imaginez, on a tous passé des examens, on a tous eu des devoirs à l'école, etc. Et généralement, lorsqu'on rate un devoir, on va se chercher, par exemple, comme excuse pour justifier cette note. J'ai raté mon devoir. Non, mais c'est parce que de toute façon, le prof, il est nul, j'ai rien compris. Ou alors, c'est parce que je suis tombé sur un sujet comme par hasard que je n'avais pas travaillé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Mais ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on invoque la situation pour justifier ce qu'on vient de faire ou pour justifier une action d'un autre, eh bien, lorsqu'on invoque la situation, c'est ce qu'on appelle une cause externe. Mais inversement, lorsque je réussis mon examen, quand bien même je suis tombé pile poil sur le sujet sur lequel j'avais travaillé, j'aurais plutôt tendance à dire « c'est parce que j'ai bien travaillé, j'ai réussi, je ne le dois qu'à moi-même ». Et bien là, nous sommes dans ce qu'on appelle une cause interne.
Et ce biais d'autocomplaisance, on le retrouve beaucoup en politique. Je vais vous prendre un exemple. Un politicien qui sera chargé, un ministre par exemple, qui sera chargé de faire baisser cette fameuse courbe du chômage. Donc il va mettre en avant l'artillerie lourde de réformes, de lois, en disant, parfois de manière quasi scientifique, c'est exactement ce qu'il faut pour le pays, vous allez voir, ça va marcher. Le fait est que ça n'a pas beaucoup de résultats, il y a des études qui le démontrent, et qu'est-ce que le politicien va répondre? Il va dire, oui mais écoutez, c'est la situation. C'est la situation, il va, par exemple, c'est la crise, etc. Ça peut être vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Il va renforcer la cause externe, il va renforcer la situation. Et inversement, si ce même politicien, un mois plus tard, pour une raison ou pour une autre, cette fameuse courbe du chômage a baissé un tout petit peu, eh bien là, il va dire, non mais... Vous voyez que ça fonctionne, la réforme qui était tant critiquée, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai engagé ce mouvement de baisse du chômage, même si, comme vous le savez, très souvent, quand il y a baisse du chômage, déjà, ce n'est pas sur un mois qu'on peut l'observer, ça peut être parce que des gens ont été radiés, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, il a pu arriver parfois... que le chômage semblait se stabiliser ou légèrement baisser, mais on a vu derrière, il y a quelques années c'était le cas, une politique de radiation intense qui a donné l'impression que le chômage baissait. Et ça n'avait absolument rien à voir avec la politique de l'homme en question. Donc on a ce biais d'autocomplaisance. Et ça c'est très délicat. Pourquoi? Parce que quand il y a ce biais d'autocomplaisance, ça ne veut pas dire que la personne en face est en train de vous manipuler. C'est, on est tous, très souvent, ce biais d'autocomplaisance, on a tendance à renforcer les causes qui nous arrangent. Et les politiciens... sont devenus maîtres, justement, parfois sans s'en apercevoir, parfois par stratégie, il faut bien distinguer l'un et l'autre, ils sont devenus maîtres systématiquement à invoquer la cause qui va leur être la plus favorable. Je vais prendre un autre exemple en France, mais je pense que vous le connaissez, un certain Manuel Valls. Est-ce que vous connaissez bien Manuel Valls? C'est bon, bon, sacré personnage. Alors Manuel Valls, quand il était Premier ministre, il s'est illustré notamment pour utiliser un outil assez particulier qui s'appelle le 49-3. Le 49-3, pour aller vite, ça permet de gagner du temps au niveau du débat parlementaire et pour aller vite, de faire passer des lois en force en engageant le gouvernement. Mais généralement, c'est une manière de ne pas passer au vote et c'est une manière de pouvoir faire passer beaucoup plus facilement certaines lois. Donc vous imaginez, l'année dernière, lorsqu'il y a eu notamment la réforme sur la loi travail, il y a eu pas mal de manifestations, il y a eu pas mal d'opposants de tous bords, droite comme gauche, etc. Donc il a fait passer le 49-3. Or, notre Manuel Valls, qui s'est présenté aux primaires, qui a souhaité devenir président de la République, ça n'a pas trop réussi, eh bien ce Manuel Valls, il a tenu dans son discours, écoutez bien, qu'il était, alors qu'il a usé à plusieurs reprises du 49-3, qu'il était contre le 49-3. Incroyable. Donc cet homme qui a utilisé le 49-3, tout d'un coup devient contre le 49-3. Il est contre le 49-3 et quand il sera élu président, il fera sans doute quelque chose, peut-être pour le repenser, voire pour l'abroger, enfin... On a eu des moments, parfois, il se contredisait. Alors, comment il a pu justifier, d'un côté, son action, il a utilisé 49-3, et en même temps, son programme, je n'utiliserai plus le 49-3, voici ce qu'il a répondu, je n'ai jamais voulu utiliser le 49-3, c'est la situation qu'il a exigé, car il y avait en face des frondeurs, dans la majorité, qui auraient peut-être fait obstacle. Autrement dit, c'est pas de ma faute, cause externe. Donc, vous voyez, donc là, on a un biais d'autocomplaisance. Stratégique ou pas, qu'importe. Mais on a en tout cas ce processus qui consiste à renforcer la cause qui nous arrange le plus. Mais il y a quelque chose d'encore plus vicieux dans cette argumentation de Manuel Valls. Ça va encore plus loin parce que non seulement il va se dédouaner de son action, puisqu'il avait la responsabilité, c'est lui, en tant que Premier ministre qui a utilisé le 49-3, eh bien il a en même temps renforcé la cause interne des frondeurs. Ça veut dire quoi? Je me dédouane, c'est pas de ma faute, mais le groupe en face, par exemple, est complètement fautif. C'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, quand tu disais que la haine de l'autre et l'agressivité de l'autre, voilà, c'est condamnable, il est agressif, etc. Parce qu'on a tendance à renforcer la cause interne, l'attitude, le comportement, des motifs, c'est parce qu'il est agressif, c'est parce qu'il est haineux, et de renforcer des causes externes pour se dédouaner. Et ça porte un autre nom. Lorsqu'il s'agit... dans son groupe d'appartenance, d'invoquer des causes favorables et de renforcer les causes défavorables d'un groupe extérieur au nôtre, ça s'appelle l'erreur ultime d'attribution. Et ça, c'est exactement ce que Manuel Valls a pu faire, et c'est exactement ce qu'on retrouve en politique. C'est-à-dire, ce n'est jamais de la faute de mon parti, ou alors c'est parce que la situation l'exigeait, par contre, c'est de la faute de l'autre parti, c'est-à-dire renforcement
de causes internes. Donc voilà par exemple un processus qu'on retrouve assez souvent en politique et qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, mais qui est encore plus renforcé. Est-ce qu'on peut parler de biais cognitif ? Pas tout à fait. On a des processus proches du biais cognitif, mais pourquoi ce n'est pas un biais cognitif ? Puisque les biais cognitifs sont des automatismes de la pensée. Des automatismes de notre jugement qui sont biaisés, qui sont dérivés, etc. Or ici, quand on parle du politicien, et c'est ça qui est peut-être un petit peu grave, et c'est là qu'on arrive à la manipulation, c'est que les politiciens se servent de ces processus justement pour dévier le jugement de la personne qui va recevoir le message, c'est-à-dire les électeurs, pourquoi pas les journalistes, etc. Et là, on rentre dans un autre cadre, c'est qu'on rentre dans le cadre de la pure manipulation. Alors pour Manuel Valls, je vais être gentil, on va lui laisser le bénéfice du doute, stratège, fin stratège, ou alors pauvre victime des biais cognitifs, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, on va laisser ça de côté. Par contre, on va prendre un cas qui ne fait aucun doute, en France, un certain Jérôme Cahuzac. Je pense que vous le connaissez aussi de nom, ça vous dit quelque chose ? Alors Jérôme Cahuzac, le compte en Suisse, effectivement. Alors rapidement, pour le présenter, dans le gouvernement Hollande, dès le départ, Jérôme Cahuzac a reçu un portefeuille ministériel de l'économie pour combattre, notamment, c'était un petit peu sa vitrine, pour combattre la fraude fiscale. C'est-à-dire, c'est très amusant d'ailleurs d'aller sur Internet, vous tapez Jérôme Cahuzac, et vous avez des photos de lui durant des congrès, des conférences, où on a un joli panneau derrière contre la fraude fiscale, etc. Donc c'était son combat. Et on a un journal qui s'appelle Mediapart, et qui a révélé que ce Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, non déclaré, enfin quelque chose d'assez moche hein, sur le plan fiscal. Et pendant plusieurs mois, même si maintenant on a l'impression que ça a été très rapide, mais pendant un bon moment, Jérôme Cahuzac a tenu ferme, s'est défendu de ce compte en Suisse, et pour le coup a, et on peut le dire puisque c'est vérifié, a complètement menti. Alors comment ça s'est passé ? Je vais peut-être vous montrer quelques extraits, puisque c'est bien plus intéressant de regarder les anciennes déclarations de Jérôme Cahuzac, tout en connaissant et bien factuellement qu'effectivement il était coupable de ce compte en Suisse. Alors, tu veux, la vidéo, elle est où ? Et on va voir justement comment la manipulation peut se faire en politique. Alors écoutez bien, ça date de... c'est sa fameuse défense, non seulement au Parlement, c'est-à-dire qu'il a ouvertement déclaré qu'il n'avait pas de compte en Suisse au Parlement, ce qui symboliquement parlant est assez fort, mais il l'a répété aussi à plusieurs reprises dans des interviews comme des chaînes de télévision, comme BFM TV, c'est une chaîne de télévision d'information continue. Alors je vous montre les deux extraits. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Des yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. À aucun moment. Moi, je... Alors, je fais juste une petite pause. Il faudrait que je remonte le son, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'on entende bien pour la suite. Ah oui, c'est là. Super, parfait. Je ne connais pas le mystère de ton PC. Et comment je fais pour juste faire déplacer le curseur ? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Puisque, concrètement, est-ce qu'on peut avoir des indices ? Puisque quand on était dans l'affaire, on ne pouvait pas savoir, mais après coup, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, quels sont les indices qui nous permettent de voir que ce discours, effectivement, est de l'ordre du mensonge et de la manipulation ? J'ai bien dit indice, et ça c'est important. On n'a pas de preuves. On ne peut pas dire sous prétexte qu'une personne a telle attitude, elle est en train de mentir, enfin, sauf s'il y a des choses factuelles, mais lorsqu'on a le doute... Et lorsqu'on n'a pas factuellement la possibilité de savoir si on peut contredire son discours ou pas, ben voilà, on peut éventuellement avoir des indices, mais ce n'est pas suffisant pour savoir s'il ment. Le fait est qu'il y a un indice intéressant ici, c'est que dans toutes ces interviews, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, je vous pose la question. Les deux déclarations qu'on a vues entre BFM TV et celle d'avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui paraît assez surprenant ? Exactement, alors ce n'est pas tout à fait la même phrase, mais quasiment, effectivement. Eh bien, on a là un personnage qui est dans le script. C'est-à-dire quelqu'un qui récite un script qui a été pensé à l'avance. Et on le voit d'autant plus lorsqu'on prend toutes ces interviews et qu'on les remet dans l'ordre. Et si on regarde l'interview en entier, d'ailleurs, on voit à chaque fois qu'il est véritablement
en train de réfléchir à ces mots, voire parfois même de réciter au mot près. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que à force de répéter systématiquement le même discours, vous allez me dire, mais c'est bizarre quand même, mais paradoxalement, nous, spectateurs, nous, publics, nous, électeurs, eh bien, à force d'entendre la même chose, surtout si les médias mettent en avant la même chose, qu'importe que ce soit vrai ou faux, on aura plutôt tendance, si un discours ressort du lot, on aura plutôt tendance à croire à ce discours. Et ça a très bien fonctionné. Et ça, je crois qu'on l'a oublié, c'est que pendant très longtemps, durant la période de l'affaire Cahuzac, on a cru qu'il disait la vérité, justement, parce qu'il disait exactement la même chose. Or, quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est capable de reformuler la même phrase de manière totalement improvisée, avec d'autres mots, et qui a un minimum de souplesse, même s'il peut bafouiller, même s'il a du mal à rechercher ses mots. Quelqu'un qui, au contraire, de manière extrêmement millimétrée, est dans l'art du script, on peut se poser des questions. J'ai bien dit, on peut se poser des questions, d'autant plus qu'en politique, vous savez qu'il y a des éléments de langage et que c'est toujours préparé en amont. Mais dans ce cas de figure, on voit que c'est très particulièrement intéressant d'entendre au mot près ce que nous dit Jérôme Cahuzac. Donc, voilà un indice, c'est notamment lorsqu'on a un discours qui paraît scripté. Autre petit élément, je vais laisser défiler la suite du discours, de l'extrait en question. Un mot. Non. Moi, je connais la vérité et je n'ai donc aucun doute sur la nature des réponses. Vous la connaissez, Mediapart dit la connaître, mais le grand public ne la connaîtra jamais. Jérôme Cahuzac. J'espère que le grand public, notamment après cette émission, à défaut de la connaître, la devinera avec suffisamment de force pour en faire une conviction. Car cette réponse, les autorités françaises la connaissent. Cette réponse... Mais elle est couverte par le secret fiscal, Jérôme. C'est précisément parce qu'elle est couverte par le secret fiscal que personne ne peut en parler publiquement. Mais les autorités françaises la connaissent et la justice la connaît. Mais Jean-Jacques Bourdin, je vais peut-être me permettre de vous poser une question. Allez-y. Cette réponse avait été portée à la connaissance des autorités françaises la semaine dernière, je crois. Oui. Aujourd'hui, celui que vous invitez, c'est le ministre du Budget. Quelle conclusion tirez-vous de ces deux éléments factuels? Je suis toujours ministre du Budget, et cette réponse a été portée à la connaissance des autorités françaises la semaine dernière. Quelle réponse? Quelle conclusion en tirez-vous? Je peux vous aider. La conclusion, qu'une conclusion à tirer. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que, depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Ça fait froid dans le dos, quand même. Hein. Et il est fort. Hein. Je ne sais pas quelle note tu pourrais lui attribuer, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Alors déjà, il fait appel à l'intelligence d'autrui. C'est-à-dire qu'il ouvre cette perspective que chacun est libre d'avoir sa conclusion. Il faut faire attention, l'injonction à la liberté de dire « vous êtes libre d'eux » a plutôt tendance à, si quelqu'un vous porte ce message, vous allez le considérer plus crédible. C'est bête, mais celui qui va vous dire « non mais tu es libre de me croire ou de ne pas me croire, mais voilà ce que je te dis, j'espère que tu vas me reconnaître sincère, etc. » Le simple fait de mettre cette injonction à la liberté, cette proposition à la liberté, fait que le public peut s'incliner beaucoup plus facilement vers sa position. Là encore, c'est un biais d'ailleurs qui a été très souvent étudié en psychologie sociale, lorsqu'il y a des expériences. Le meilleur moyen d'être sûr que la personne va se soumettre totalement, c'est de lui dire « non mais vous êtes libre de partir ». Généralement ça marche. Eh bien, cette injonction à la liberté, le fait de dire que chacun, d'appeler à l'intelligence d'autrui, que chacun est quelque part libre de sa conclusion et de son opinion, ça peut effectivement contribuer à rendre son discours crédible. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il fait appel à une autorité qui serait supérieure à la sienne, des autorités qui seraient supérieures à la sienne, le président de la République et la justice, les institutions judiciaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si un tel qui représente une autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit juridique, semble aller dans mon sens, et vous remarquerez qu'on ne peut pas le vérifier, secret fiscal, c'est-à-dire qu'on a un point d'interrogation constant, et il va rajouter une couche en plus de l'autorité, il va dire factuellement, alors là, il faut faire attention, c'est le mot magique. Quand quelqu'un va dire, mais regardez factuellement ce qui se passe. Bien sûr, lorsqu'on cherche la vérité, il faut savoir, c'est quand un discours est conforme aux faits, lorsque le discours est conforme au réel. Mais il ne faut pas inverser les choses, il ne faut pas comprendre les faits et l'interprétation des faits.
Parce que dès lors que vous allez vous-même dans votre discours choisir les faits qui vont venir justifier votre discours, eh bien vous orientez les faits et l'interprétation finalement ne dit rien. Vous êtes totalement manipulé pour l'interprétation. Et là je crois qu'il faut bien distinguer les deux éléments, factuellement et les interprétations, ce n'est pas la même chose et on peut orienter l'interprétation pour n'importe quel fait. C'est comme les théories du complot. Les théories du complot, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, qu'on n'a jamais été sur la Lune ou qu'il n'y a pas eu d'avion le 11 septembre, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être sûr que, qu'importe votre interprétation, même la plus farfelue, vous arriverez toujours à avoir des petits détails, des petits faits qui se baladent par-ci, par-là et qui vont vous permettre, par une sorte de tissage un peu particulier, de donner l'impression que votre argumentation est solide, mais la plupart du temps, vous niez l'ensemble des autres faits. Et c'est exactement ce que Jérôme Cahuzac fait. Il prend deux faits qu'il connecte en nous laissant un point d'interrogation puisqu'il y a le secret fiscal, c'est-à-dire que finalement, factuellement, on ne sait rien. C'est ça qui est très intéressant. Il nous parle de faits, mais on n'en sait rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là que c'est encore plus intelligent. Il va essayer, il n'a pas très réussi, il va essayer de poser la question pour que ce soit le journaliste qui conclue à sa place. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de mentir. Et très souvent, les excellents menteurs, c'est ceux qui ne mentent pas. Les excellents manipulateurs, c'est ceux qui ne vont pas déformer le réel, mais qui vont vous inciter par leur discours à vous-même avoir une interprétation qui déforme le réel. Et si jamais vous dites, mais vous m'avez menti, ils diront, bah non, j'ai jamais dit ça, ça c'est ce que vous avez conclu de mon discours. Donc voyez à quel point c'est extrêmement perfide. Alors je vais juste m'arrêter là, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et je crois que ce serait plus intéressant de passer à un espace plus table ronde et débat. Je pense qu'on pourra peut-être invoquer d'autres personnalités politiques. Quand tu parlais du complot, moi j'ai pensé tout de suite à certains arguments qu'on a pu entendre durant les élections, notamment. Le cabinet noir. Voilà. Le fameux complot des magistrats aussi. Mais je pense que ce sera peut-être intéressant aussi, si vous avez d'autres idées comme ça, de les partager. En tout cas, pour le cas de Jérôme Cahuzac, ce qui est particulier, c'est que, pour la petite histoire, il a écopé de 3 ans de prison ferme. Donc il a été jugé, il a été reconnu coupable et de toute façon il a lui-même avoué qu'il avait bel et bien un compte en Suisse. Donc c'est très intéressant, si vous voulez, sans tomber dans le complot, sans gâcher une présomption d'innocence ou autre, regardez plutôt en arrière lorsque les choses sont posées et étudiez les discours justement comme cet homme. Ah, merci. Alors, on a le micro. Je vous conseille de... Enfin, on peut passer le micro au bout là-bas. Il fonctionne bien. Parlez assez loin. Du coup, j'ai celui-ci, donc ça marche. Complètement mis à l'envers. Je sais pas. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais dans l'autre sens, j'ai essayé, mais ça ne tient pas non plus. C'est très, très à l'envers. Je comprends. Est-ce que ça vous dérange? Ça vous gêne? Hein? Bon, ben voilà. Les gens sont contents. Prends le micro. Non, il tolère. Mets-le bien au milieu, comme ça. Voilà. Et on peut parler loin. Ah oui, on est comme ça. Voilà. Vous aurez compris que ce qu'on vous a proposé, c'était exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce qu'on défend l'idée que dans un débat d'idées, ce qu'il faut, c'est ne pas croire que les débats politiques sont des vrais débats d'idées. Ce sont des pugilats d'idées. Ce sont des suites de monologues. Voilà, le but n'est pas de convaincre l'autre, mais de convaincre les gens qu'on a la seule réponse acceptable. Quand vous débattez en toute bonne intelligence avec les gens, et si vous voulez convaincre des gens, notamment des gens qui sont dans le conspirationnisme ou dans des pensées un peu extrêmes, le point de départ, c'est d'admettre que vous pouvez avoir tort. C'est d'admettre que lui peut avoir raison. Si vous arrivez en mode mais tu crois ça, mais t'es trop con, mais t'es nul, le cabinet noir. Alors des fois les gens sont cons, oui voilà. Mais il faut, voilà, si vous avez des départs que l'autre peut être de bonne foi, c'est ce qu'on disait, la mauvaise foi, on a toujours tendance à identifier la mauvaise foi chez l'autre, c'est facile, mais il peut être de bonne foi, il peut même se tromper et être dans une sorte de mensonge, mais sans s'en rendre compte. Ou de déni tout simplement. Ou de déni, voilà. Donc le conseil que moi je me permets de vous donner, on a un peu pratiqué le débat avec des gens... C'est bizarre, c'est d'admettre dès le départ que vous n'avez pas accès à l'ensemble des connaissances du monde, on peut se tromper. Mais du coup, si toi tu as raison par rapport à ce que tu sais, comment tu sais? Comment tu es arrivé à ta conclusion? Explique-moi. Et là, ça peut commencer.
Alors oui, ouais, je voulais rajouter un petit truc. Il est très bizarre ce micro. Tu peux rester loin en fait. Ouais, tu peux rester loin en fait. C'est nickel. Ça m'a fait un petit peu peur. Oui, alors moi ça m'a fait penser à un petit truc, cette façon de gagner le débat. Ça m'avait fait penser à du trolling. Les recettes du trolling. Alors quand je dis être un troll, c'est pas juste insulter, crier. Le trolling est à la base sur Internet. Par exemple, vous êtes sur un forum, le but du troll, ça va être un sujet, je sais pas moi, le jardinage, ça va être de détruire le sujet et de parler, par exemple, je sais pas, des Illuminati, ça va être le but, et de détourner la conversation. Et donc, cette mauvaise foi que vous avez présentée, ouais, c'est tout à fait ce que fait un troll, en fait, pour saboter la discussion. D'ailleurs, on a une expérience incroyable, enfin je crois que c'est une expérience scientifique qui a mis en scène des candidats, un certain Macron et Le Pen, qui ont fait un spectacle incroyable, où on a justement le trolling de Marine Le Pen, c'était incroyable là-dessus, où c'était essentiellement dans l'attaque personnelle, absolument pas dans un échange de programme ou autre. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi à regarder durant les élections, justement, ça peut, sur les techniques de troll, on parle souvent du troll sur Internet, mais nos politiciens sont de charmants petits trolls de temps en temps. Là, sur le débat avec Marine Le Pen, c'était du mauvais troll. Parce qu'il y a une forme de trolling, alors moi j'aime bien le trolling, hein. Quand c'est très bien fait, c'est une forme d'art, parce que si on détourne la conversation à un tel point que ça devient du génie. Là, Marine Le Pen, elle nous a fait du trolling très très minable, c'est ridiculisé, elle s'est humiliée, enfin je veux dire, quitte à troller le truc, elle aurait dû y aller plus loin, ou je sais pas, mais... Mélenchon face à Le Pen, il y a 5 ans, quand il a dit « je vous écoute pas, faites votre vie », c'était un troll magnifique. Magnifique parce que la meuf, elle n'avait pas préparé ça. Du coup, elle s'est ridiculisée, il l'a regardé, genre, c'est ta vie meuf. C'était beau. Parce que le troll, le mot a un peu perdu son sens, mais une personne qui troll, au sens premier du terme, elle le fait complètement volontairement. C'est ça. Il y a des finalités au trolling. Ça va être soit de mener une expérience, hein, il y a des gens qui sont extrêmement curieux socialement, on va dire, oh tiens, je vais dire que inventer une histoire complètement farfelue, on va voir comment ils réagissent. Il y en a qui font quand même... Il y a aussi le troll psychopathe, hein, qui ne voit pas du tout les limites des personnes et qui teste à fond. Mais il y a toutes sortes de trolling possibles. Et en règle générale, c'est la déviation. On a, alors là encore, je pèse mes mots, puisque présomption d'innocence, donc on va pas interroger la personne en question, on n'en sait rien. Le Fillon, par contre, ce qu'on peut voir, c'est les contradictions qu'il peut y avoir dans son discours. Et notamment, ce qu'il a essayé de faire pour se défendre, c'est-à-dire, au bout d'un moment, lorsqu'il n'arrivait plus à se défendre, il est allé dans cette optique de déviation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux déviations. Il a fait une première déviation, qui est la déviation de l'homme pur et éthique, c'est-à-dire, ce n'est pas... et complètement de mauvaise foi pour le coup, ce n'est pas à la justice de me juger, c'est au peuple avec les élections. C'est génial, j'ai l'impression que tu es en train de commenter un speedrun, j'adore ça. Voilà, c'est... Il fait une magnifique déviation à ce moment-là, c'est incroyable. Mais on peut... Non mais, faites des speedruns politiques. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui manque sur Internet. Il faudrait davantage... On avait tenté, avec Pouillou notamment, on avait fait pas un speedrun, mais plutôt, c'était comment ça s'appelait ? Un let's play, voilà. On avait fait un let's play journal de TF1. Où le principe était tout simplement un peu comme on peut commenter en direct un jeu vidéo, ou on pourrait commenter en direct une série ou autre, enfin je ne sais pas. On pourrait faire la même chose pour un débat politique. Alors s'il y a des personnes qui s'intéressent un petit peu, qui veulent faire une chaîne YouTube, faites des let's play, des speedrunning de politiciens, de débats politiques. Ce serait à mon avis très très intéressant et je crois que ça manque justement. Ouais, il y en a qui le font pas mal sur Twitter. Sur Twitter, ça se pratique beaucoup pendant les événements de LiveSuite, le truc, en commentant un petit peu. Mais c'est vrai que chaîne YouTube, ça se fait pas beaucoup. Et ce serait beaucoup plus pérenne, ce serait beaucoup plus facile à partager après. Donc ça serait super intéressant, effectivement. Surtout que sur Twitter, là, c'est très très réduit. Donc on peut pas faire vraiment de l'analyse. 140 caractères, c'est vrai, c'est sûr. Et la deuxième déviation, attention, on continue dans notre jeu. La deuxième déviation, et là on arrive au must, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est justement les fameux complots. C'est-à-dire que, comme par hasard, à la veille d'une élection, voilà qu'une affaire ressurgit chronologiquement. Regardez factuellement, on peut encore le dire, mais regardez factuellement, je me présente, j'ai gagné les primaires et c'est pile poil à ce moment
qu'une affaire me tombe dessus. Vous voyez bien qu'il y a une manigance, qu'il y a une volonté malveillante derrière et que tout cela est manigancé. Ce qui est triste, c'est qu'il a peut-être raison, mais ça change pas le problème. Ouais. Il a peut-être raison. Là-dessus, il a peut-être raison. Le problème, c'est que si on s'en tient à son propre discours et si on interroge les contradictions de son discours, on en a malheureusement beaucoup. Notamment l'une, c'est que je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle si je suis mis en examen, suivi un petit peu plus tard de « ce n'est pas une mise en examen au nom de la démocratie qui va m'arrêter ». Donc, innocent peut-être, mais contradictoire dans son discours. Là, par contre, je crois qu'il y a peut-être un petit problème de ce côté-là. Il y a aussi eu Michel Onfray qui a fait une vidéo, enfin, dernièrement, où il lit un article qu'il a écrit, où il décrit l'élection actuelle comme une manipulation, comme un complot de la finance, qui avait son candidat, qui est Macron, et qui a organisé la destruction de Fillon, d'un côté, et en face, le bourrage des urnes pro-Hamon, pour détruire Valls, pour que le PS puisse éclater en deux. Et sera, enfin, c'est des gens qui pensaient en quatre bandes. Et ma connaissance de la théorie d'évolution va contre ça. Hein. On est des singes. Et on nous prouve tous les jours. Je veux dire, Hollande, enfin, je ne veux pas qu'ils soient intelligents. Mais enfin, j'ai beaucoup mal à voir. Donc voilà. Mais on a, y compris donc, de l'autre côté du bord politique, une analyse qui ressemble beaucoup à du conspirationnisme. Et on peut avoir envie d'y croire. Parce que ça ressemble à ça. Ça ressemble à, c'est le candidat du capital, Rothschild et compagnie, banquier, etc. On a en effet Fillon qui s'est fumé, encore, on a quand même 19% de gens qui ont voté pour un escroc, avéré. Bon, peut-être que les autres candidats ne leur correspondaient pas, mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont prêts à élire quelqu'un dont on sait que c'est un voleur et un menteur. Mais on en est même arrivé à un point où il y a énormément de personnes qui considèrent qu'une personne honnête ne peut pas faire de politique. Oui, il y a des gens qui disent « Ah, un tel, il a pas assez d'affaires sur le dos, il n'est pas crédible. » voilà, et donc, cette affaire, et de l'autre côté, cette idée qu'on aurait voulu faire éclater le PS en bourrant les urnes pour Hamon, enfin, moi, je trouve que c'est pas un petit peu de tout, c'est trop avant pour moi pour que je puisse adhérer à ça, mais si vraiment on est dans la détestation de Macron, ce que je peux comprendre parfaitement, on aurait envie d'y croire. Il dit « Ah, c'est le candidat, on ne le connaissait pas il y a deux ans, c'est un candidat fantoche. » Le problème de ça, c'est que c'est irréfutable. Donc comme c'est irréfutable, même si j'ai envie d'y croire, je ne peux pas y croire. Je peux dire, bon, c'est une hypothèse intéressante, et il faudra voir si dans l'avenir on a des éléments qui confirment ça, mais par définition, un complot bien foutu, on ne peut pas le voir. Donc, si j'ai pas de preuves, c'est que le complot, il est encore mieux foutu que ce qu'on croyait. C'est sans fin. Croyons-nous suffisamment à l'intelligence de nos hommes politiques pour les savoir assez bon stratège pour ça? D'ailleurs, justement, sur ce côté de la séduction, quand on entend ce type de discours, il faut savoir que, très souvent, nous aimons bien tout ce qui est équilibré et tout ce qui est cohérent. Et lorsqu'on a un événement exceptionnel, on a tendance à croire que la cause doit être exceptionnelle. Lorsqu'on a une affaire aussi importante en politique qu'un homme qui aurait détourné, possiblement, on va rester dans l'autre, on est à 800, ça a augmenté les enchères en fait au fur et à mesure. Allez, 1 million d'euros, voilà, 1 million, voilà, on arrondit, eh bien, on se dit non, c'est trop gros, comment ça a pu passer, en plus il paraît honnête, d'autant plus qu'il a fait tout son programme dans la primaire sur l'éthique en politique, il n'aurait jamais pu faire ce programme-là si jamais il avait autant de casseroles. Voilà, et donc lorsqu'il va nous proposer une cause exceptionnelle, ce monsieur Fillon, eh bien, effectivement, il y a cette séduction, ah oui, événement exceptionnel qui paraît contradictoire, je comprends pas tout, là on a une cause exceptionnelle, et donc on aura tendance à aller sur cette cause-là, même s'il y a, factuellement, on peut rien dire. D'ailleurs, puisqu'on donne souvent cette Fillon, puisqu'il donne l'hypothèse, mais comment ça se fait que chronologiquement il y a une affaire qui tombe à ce moment-là, autre hypothèse, qui, je laisse à chacun le soin de réfléchir, lorsqu'un homme politique d'une envergure comme Fillon, mais c'est le cas aussi pour ça a été le cas pour Hamon, ça a été le cas pour Macron, c'est le cas à peu près pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Parce qu'ils ne sont pas en nombre limité, les journalistes. Les journalistes, ils vont se concentrer dans leurs recherches systématiquement sur les candidats à la veille d'une élection. Et si on a des affaires qui tombent à ce moment-là, bien sûr qu'on peut toujours avoir le doute et invoquer quelque part, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu des sources qui viennent d'un parti contraire? Pourquoi pas? Du même parti. Pourquoi pas? Et ça a existé, évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais il y a l'explication aussi, cette hypothèse, que le journaliste, de toute façon, il va toujours orienter son travail de recherche selon
les événements en cours, c'est-à-dire à la veille d'une élection, bah, il va faire le focus sur des hommes politiques. Donc il ne faut pas s'étonner aussi si des affaires... Focus. Non, j'ai pas dit focus, non. Ni Fillon non plus. Mais effectivement, ils vont faire un petit zoom sur les candidats en question, donc on ne pas s'étonner forcément, les casseroles ressortent justement à ces moments-là. Peut-être qu'on peut... Le micro, ces gens-là, tu sais. Ah oui, c'est bon. Oui. Ouais, peut-être que vous voulez poser des questions. Vous avez des idées ou des exemples ou des... Bon, il va le jeter hein, sur quelqu'un. Alors moi, je... ne peux pas croire qu'on ait été aussi clair. Alors, on est comme dans les mariages. Ouais. Non, mais il n'y a pas des remarques ou des questions ou des accusations, peut-être, sur ce qu'on aurait pu... D'accord. Bien. Alors, croyez-nous, on l'a pas. On ne sait clairement pas où il est. J'ai peut-être une question assez simple. Merci. Monsieur et Madame Ranlard ont un fils, comment l'appelle-t-il ? Jean-François. Non. Si. Ranlard, Jean-François. Ranlard, Jean-François. C'est un travail pour le zygomaticien. J'ai peut-être une question assez simple. C'est que dès qu'on regarde un petit peu la politique, on se rend très bien vite compte du langage politique, de façon détournée, de comment ils utilisent une forme de manipulation. Mais ma question est, est-ce que, selon vous, la plupart des gens s'en rendent compte ? Est-ce que le commun des spectateurs réfléchit un petit peu à ça ou se laisse juste porter par son émotionnel ? Moi, je pense qu'ils le ressentent, en tout cas. Ils vont le dire, ah, ils sont tous pourris, et puis ils vont éteindre, ils diront ah, n'importe quoi. Il n'y aura peut-être pas la réflexion qui va suivre après, par exemple, de chercher des informations sur le programme d'un tel ou les idées d'un tel, ou savoir ce que c'est la droite, la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais par contre, ils sentent. Ils sentent que là, on est en train de les avoir, quoi, de les manipuler. Ils sont défiants. Mais cette défiance, elle n'est pas forcément bonne, parce que du coup, on va s'accrocher, ils vont s'accrocher à des gens qui disent ah, ils sont tous pourris, nous, on est mieux. L'extrême droite. Et il y a des. Donc, c'est pas très. Ce qui est impitoyable, c'est que malheureusement, les personnes qui. Je pense aussi sincèrement que tout le monde voit bien que le langage politique est hyper sinueux. Mais, de manière étrange, on le voit beaucoup moins chez les candidats qu'on apprécie soi-même. Pourtant, on le même type de verbe. Donc il y a aussi ce point aveugle auquel il faut être hyper attentif. Et il y a peut-être une trop grande séduction des individus par rapport au programme. Ça, c'est un petit peu problématique et c'est vrai que c'est un truc sur lequel il faudrait éduquer. En fait. Moi, je suis très admirative. Il y a des gens, par exemple, on a fait une vidéo sur Valeurs Actuelles, donc un magazine d'extrême droite. De droite dure, pour prendre le. De droite dure, ouais. Et là, j'ai vu une attitude admirable chez moins deux personnes, de lecteurs de Valeurs Actuelles. C'est pas mal à l'extrême droite, deux personnes. Oui, bah, il y a déjà deux personnes. Qui ont vu et qui ont compris que c'était une critique et qui l'ont suivi jusqu'au bout. Alors que c'était sûrement à l'opposé total de ce qu'ils pouvaient croire. Donc, les gens peuvent quand même réussir à être critiques. Le biais de complaisance, c'est-à-dire qu'on repère facilement les positions argumentatives et les effets de manche chez l'autre, le camp d'en face. Notre candidat à nous, ah, t'as vu comment il l'a mouché, là, il l'a attaqué. Mais peut-être que son attaque, elle n'était pas, en fait, elle était au-dessus de la ceinture, elle n'était pas correcte. Elle n'était pas de nature à convaincre ceux qui votent pour l'autre. Alors quel est le but ? Est-ce que le but c'est juste de se taper dessus et de se contredire ? T'as vu ce que tu l'as foutu dans un camp et dans l'autre ? Et du coup que 100% des gens qui pensaient A avant pensent continuer à penser A après le débat ? Est-ce que c'est ça le but ? Il y a peut-être aussi un gros problème au niveau de la structure de comment les médias traitent la politique. Déjà ils mettent, c'est vraiment l'arène quoi. C'est le combat entre soit deux candidats, soit... Il n'y a pas de discours de fond sur les grandes problématiques, personne n'explique ça à la télé, donc... Et puis les temps médiatiques ne sont pas les mêmes pour tous les candidats non plus. Aussi. Pour revenir sur la question de tout à l'heure, pourquoi certains peuvent maintenir leur position sur un candidat qui paraît se contredire ? Alors effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a cette erreur ultime d'attribution qui fait qu'on va toujours renforcer les causes favorables, tout ce qui sera favorable à son groupe d'appartenance, en tout cas au groupe auquel on s'identifie. Donc si on s'est identifié à François Fillon
et qu'on s'est pleinement engagé pour soit l'homme, pour le programme, qu'importe, eh bien, on aura plutôt tendance, effectivement, même si on a des choses contraires, à être plus favorable pour ce candidat-là. Et il y a un autre effet aussi, c'est l'effet de la réactance. C'est-à-dire que lorsqu'un individu a l'impression qu'on lui prive de quelque chose, eh bien, il va vouloir à tout prix le préserver. C'est l'effet Streisand, notamment. Vous censurez un document, même si ce document, le pire discours nauséabond pas possible, les gens auront envie d'avoir ce document, ils auront envie de le voir. Or, il y a beaucoup de personnes, de militants, qui voulaient voter François Fillon et qui ont eu l'impression, avec cette affaire, qu'on leur privait, justement, de ce choix qui était le leur initialement. Et donc, paradoxalement, plus on allait attaquer François Fillon et plus il allait avoir des éléments qui semblent en tout cas mettre le doute sur François Fillon, et plus ça renforce cette idée, on est en train de me priver de mon candidat, et du coup ils vont s'y accrocher encore davantage. Et ça, on le retrouve pour la politique ou pour autre chose aussi, ça marche très bien dans le marketing. Oui, c'est une technique qui est extrêmement utilisée en fait. Des personnalités politiques, et dire « Oh, on m'a censuré », et ils appuient bien là-dessus. Parce que c'est un argument promotionnel. Imaginez, c'est comme si un livre, il y avait un bandeau et marqué censuré, machin. Ça pourrait attirer, dire oh là là, ça a été censuré, il faut que je voie ça. Mais en fait, il n'y a pas de censure effective quand on voit, c'est par exemple un tel à critiquer. C'est pas une critique, c'est pas une censure. Une censure, c'est vraiment couper, enlever la parole. Bien distinguer l'un et l'autre. Vous voyez comme Fifty Shades of Grey était vendu comme un livre de cul sulfureux. Lol. Il y a un livre qui s'appelle Le Secret aussi. Ça, c'est génial. Ah, bien joué. Le Secret. Bien joué. Voilà. Mais attention, il faut l'ouvrir, voire il faut l'acheter pour savoir ce qu'il y a dedans. Bah, le troisième va vous étonner. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez cette idée de manque... Je ne vais pas te le dire. Il faut acheter le livre. Tu vas c'est dans son livre. Voilà. Tu m'offres un café et je te donnerai Le Secret. C'est... Oui. Il y a un message. Il y a aussi un truc un petit peu hyper pervers et qui est probablement lié pour certains candidats à ça. C'est pas le bon nom, mais c'est lié à l'aversion à la perte. Le fait que quand on a beaucoup investi dans quelque chose... Il y a des coûts irrécupérables. L'engagement. L'engagement, c'est hyper difficile de revenir en arrière. Alors quelqu'un qui a milité pour un Fillon pendant des années, il se rend compte que Fillon c'est un salaud, il va se dire non. Il va chercher comment... Comment faire passer ça pour que ça reste quand même dans son cadre, le cadre de cohérence à lui, et que finalement reste une personne bien. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive en fait. C'est que y a un élément qui vient intervenir et dans la tête c'est non. Il y a une sorte de trouble. C'est notre épisode 3. Ouais. Ouais. C'est très intéressant la dissonance cognitive. Faudra... Et il y a plusieurs manières de la régler. Si on est entre guillemets au début, juste en tout début de conversion, ça va. Régler la dissonance. De toute façon, dissonance, allez, musique. C'est deux éléments qui rentrent en contradiction l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, ou bien là, on rajoute des éléments qui vont rendre les deux congruents. Ça arrive de temps en temps, c'est rare. Généralement, on va plutôt en virer un. Bon, ben, dans le cas d'une personne qui viendrait de découvrir Fillon et qui découvre que c'est un salaud, bon, ben, voilà. C'est un salaud. C'est pas coûteux de virer le fait que j'ai cru à Fillon à un moment. Par contre, y avoir cru pendant des années, ça fait qu'il y a une adhésion qui est monumentale, et du coup, ce qu'on va virer, bah, c'est l'autre élément. C'est dommage. Alors, on avait une question dans le public. Plusieurs, du coup, je pense. La recrudescence des fake news comme outil dans la campagne politique, qu'est-ce que, d'après vous, la société civile ou la sphère médiatique qui joue avec devrait faire pour enrayer ce phénomène qui est de plus en plus présent? Moi, personnellement, je suis pour la solution à long terme, c'est d'éduquer à l'information. Pour moi, c'est vraiment le rempart. Bah, il faut donner les outils. Parce qu'à la base, les choses comme Gorafi, tout ça, c'est une plaisanterie pour s'exercer, justement. On dit comme ça, on se fait avoir un petit peu, puis on se rend compte que c'est complètement faux et on rigole. Et, alors, on s'est fait une boutin. Sauf que maintenant, là, ça atteint... Je pense qu'on aura toute la même réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution immédiate. Sauf à avertir les gens et à les encourager à diversifier les sources. Parce que les fakes, elles viennent toujours un peu du même coin, les fakes. Mais les journalistes qui sont dedans, en fait, c'est formé à ça. Et bien les journalistes ne sont pas formés comme il faudrait à la pensée critique, je pense. Tu dis ça pile quand Valentine s'est barrée, c'est ça?
Bah, c'est un petit peu cette maxime, faut apprendre aux gens à pêcher, pas leur filer du poisson. C'est bien de débunker les choses fausses, c'est super bien, mais il faut surtout apprendre aux gens à réaliser ce qu'ils à eux-mêmes, savoir trier le bon grain de l'ivraie. Et ouais, ça passe par l'éducation, et c'est compliqué, et on n'aura pas ça dans notre génération à nous. Les gens disent « j'ai pas le temps de vérifier ». Et le problème, c'est que les journalistes n'ont plus le temps, parce qu'en fait, on se dit « ah, mais les journalistes, ils font mal leur boulot ». C'est plus compliqué que ça, c'est que les journalistes n'ont plus les bonnes dispositions pour faire le travail qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'ajoute derrière, on a des logiques systémiques, on a notamment, d'un point de vue économique, notamment par les régies publicitaires, on va leur demander de faire monter l'audience. C'est-à-dire de mettre en avant davantage le spectaculaire, ce qui va faire vendre. Par exemple, si Macron a été beaucoup diffusé durant cette période électorale, certains disent « oui, Macron les a payés, il est dans leur poche, etc. » En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement parce qu'un papier sur Macron, sur sa pleine page, ça fait vendre. Et parce que quand on a commencé à publier, quand les médias ont commencé à publier du Macron et que ça fonctionnait, bah forcément, bah, vu qu'on veut vendre du papier, ça continue. Et les journalistes ne sont plus dans les bonnes conditions. Je prends un cas particulier qui s'est arrivé récemment en France, CNews, avec un certain Bolloré, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, donc Bolloré qui a racheté depuis un petit moment, enfin qui est actionnaire majoritaire de Canal+, et qui a donc une chaîne d'information en continu, et donc CNews qui a réduit une partie des effectifs, qui d'une main de fer s'est assuré finalement, puisque c'est comme ça qu'il fait que la plupart des journalistes partent, tout simplement parce que désormais les journalistes ont cette mission d'être dans cette quête de l'audimat, et les journalistes de terrain, malheureusement, il y en a moins peut-être, alors je ne sais pas s'il y en a moins qu'avant, en tout cas on aurait besoin de plus encore aujourd'hui, et on remarquera d'ailleurs, je voudrais juste le préciser, que la plupart du temps, les affaires qui sortent au niveau des médias, au niveau de la presse, très souvent, pas tout le temps, mais en tout cas les dernières affaires, Canard Enchaîné, Mediapart, c'est-à-dire ce sont des journaux qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas du tout ancrés via des recettes publicitaires, etc. Et qui donc parviennent justement à pouvoir investir pour leurs journalistes du temps dans l'investigation. Donc c'est la notion de temps, je crois, qui est importante. De retrouver, non pas dire les journalistes ils sont nuls, les journalistes ils sont des vendus, c'est pas ça. C'est que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail et qu'on ne permet pas et qu'on oublie qu'il y a plusieurs formes de journalisme et que le journalisme d'investigation, malheureusement, manque davantage aujourd'hui. Dans l'affaire, ce qui m'étonne le plus, c'est que quand tu fais une couverture Macron, les gens achètent. Ça, c'est le mystère qui m'étonne. Pourquoi les gens achètent ? Les jeunes. C'est ce qu'ils disent. Puis, bah, les gens qui votent Macron, peut-être qu'ils ont de l'argent pour acheter ça. C'est justement ce que je me demande aussi, parce que je pense que la faute est partagée entre les médias et ceux qui... nous, les spectateurs. Parce que, est-ce que les gens lisent vraiment les programmes politiques ? Par exemple, on a vu Macron n'avait pas encore sorti son programme et était dans les favoris. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Donc, je pense que... C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les médias, ben, ils font marcher ce qui fonctionne, ils s'en mettent plein les poches, et nous, ben, on prend et on est manipulé par ça aussi. Et oui, c'est, voilà, le serpent qui se mord la queue. Alors, il y a un effet pour expliquer aussi pourquoi Macron a été tout de suite plébiscité. C'est l'heuristique de disponibilité. Plus vous voyez quelque chose dans l'environnement, par exemple une personne qui s'appellerait Macron, plus vous vous y habituez, plus vous trouvez sympathique. Alors il y a un autre politicien qui a beaucoup joué de ça aussi, c'est Sarkozy, au début de son mandat. Et, tout le temps, on le voyait faire des trucs. On l'appelait l'hyper-président, parce que ça rend sympathique, ça familiarise, c'est comme si... C'est comme vous, avec la force d'aller chez le même boulanger, bah, vous le trouvez sympathique, vous commencez à discuter. Bah, là, c'est pareil. Donc, c'est un effet. Il y a l'effet Barnum. J'ai proposé de renommer effet Macron, il y a quelques temps, parce que l'effet Barnum, c'est l'horoscope. Vous aimez beaucoup la nature, mais vous aimez aussi être chez vous, cosy. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de volonté, mais parfois, vous doutez un peu. Bon, tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc vous lisez le bélier, si vous êtes taureau, ça marche aussi, mais franchement, ça marche pareil. Parce que plus c'est vague, et plus ça a tendance à être positif, et ben ça marche. Macron, il va vous dire, mais moi, je veux faire ça, mais et en même temps, je comprends ceux qui veulent l'inverse. Parce que c'est important. Du coup, ben, quand on pense l'inverse, on dit, ah, il pense à nous aussi, quand même. Ça, c'est pas ça. Donc le mec, il est...
Et comme il est vision centriste, ça marche bien, ça coïncide avec ce qu'on peut attendre de lui. Donc c'est extrêmement bien foutu comme discours. Position floutiste plutôt. Parce que en ce qui concerne, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se contredit aussi, ni de gauche, ni de droite, un peu à gauche, un peu à droite. Bon, on ne sait pas trop vraiment sur quel pied danser. Mais il y a une notion à rajouter aussi sur pourquoi Macron a si bien fonctionné, c'est le storytelling. Ça en politique c'est essentiel. Le storytelling c'est quoi? C'est que bien avant la campagne et bien avant que Macron annonce sa présidentielle, et d'ailleurs on peut deviner quand quelqu'un va se présenter justement via ce storytelling, il va préparer un terrain. Il va d'abord, on a l'histoire de Macron, c'est quoi l'histoire de Macron? L'histoire de Macron c'est un homme qui n'a pas véritablement de mandat politique. Il a de l'expérience politique parce qu'il a été un petit peu un homme de l'ombre. On aime bien un petit peu les hommes de l'ombre de François Hollande. Il a eu un ministère suffisamment court pour qu'il ait des compétences et pas suffisamment long pour qu'il ait des casseroles, pour aller vite. Et surtout, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y a un moment, il s'est dit, non, je vais arrêter. Je veux penser à un mouvement qui soit au-delà de la gauche et de la droite. Et je vais me mettre en France en marche. Je suis un marcheur. On l'imagine avec son bâton, vous voyez, en train de circuler dans la France. On va avoir donc toute cette imaginaire, puisque ça sert à ça le storytelling. On va renforcer l'imaginaire associé à telle personnalité, avec en plus cette idée qu'il s'est un petit peu fait tout seul, avec cette idée que c'est un génie. On l'appelle le Mozart de la finance parce qu'il a réussi à manigancer un contrat, enfin je ne sais plus trop quoi. C'est le storytelling. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les programmes. Aujourd'hui, la politique est davantage dans le storytelling, le renforcement justement de l'individu et des causes internes, pour le coup, avec cette sympathie qu'on essaie de créer, des compétences finalement, ou l'effet Barnum, avec différents effets qui sont finalement totalement vides, et un programme auquel on ne s'intéresse pas du tout, à tel point que Macron lui-même a soutenu, lorsqu'on lui reprochait de ne pas avoir de programme, il le disait, les Français ne lisent plus les programmes, c'est lui qui le disait. De toute façon, les Français ne lisent plus le programme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le projet. Par contre, si vous lui demandiez quel était son projet, par contre, non, on ne sait pas. C'est le projet, voilà, c'est un mot. C'est du marketing, c'est du management dans le sens le plus caricatural du terme. Le projet, voilà. Et c'est darwinien parce que dans une démocratie comme la nôtre, on élit des gens dont la capacité, c'est de se faire élire. C'est tout. Par définition. Mais question justement sur ce deuxième tour qui a opposé Le Pen à Macron. Le débat télévisé, il a quand même été d'une médiocrité effectivement assez scandaleuse pour ce qu'on va appeler le téléspectateur, en tout cas par rapport donc à ce média télé. Et moi je trouve qu'il y a un rôle qu'on n'interroge pas aujourd'hui, c'est le rôle de ces deux journalistes. Hein, le journaliste vedette, on va dire, de France 2 et celui de TF1. Et on ne leur a pas demandé d'être journaliste, on leur a demandé d'être animateur télé ce jour-là. Et même animateur télé, ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, j'ai vraiment une question, parce qu'effectivement, d'habitude, on se dit, bah oui, ils ne font pas correctement leur truc parce que c'est la course à l'audimat, mais là, même l'audimat, il était médiocre. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce débat a été quand même aussi long, aussi médiocre? Hormis le fait qu'il y ait forcément des stratégies de la part de Le Pen et de Macron, mais quand même, tout le monde a été désespérément, je veux dire, dans une démocratie représentative, où à un moment donné, on doit donner mandat à une de ces deux personnes-là, se retrouver comme ça dans un faux débat. Alors, je n'ai pas la réponse exacte à cette question. Cependant, ce que je peux dire, c'est que tous les débats télévisés politiques de la sorte sont programmés selon des accords entre les deux parties, jusqu'au millimètre près du ventilateur qu'il y a devant eux. Ça va vraiment très très loin dans le détail. Est-ce que la question leur est posée, en tout cas pour les journalistes, est-ce qu'ils peuvent le choisir? Je ne pense pas. Mais il est évident qu'ils vont chercher des journalistes qui font consensus ou qui apparaissent comme, je mets le mot entre guillemets parce qu'il ne veut rien dire, neutre. C'est-à-dire des journalistes qui ne vont pas trop déranger le débat, etc. Et je vais prendre un exemple, parce qu'on parle, on parle de ce débat-là, justement, où effectivement, je rejoins, il y a médiocrité des candidats, enfin en tout cas, de la manière dont ça s'est passé, et des journalistes aussi, qui était même complètement dépassé, hein. On le voyait, on se demandait pendant un moment, mais j'avais l'impression qu'ils allaient devenir fous, qu'ils allaient claquer la porte, qu'ils allaient dire « Allez, éteignez votre télé, c'est n'importe quoi, on n'arrive plus hein. !» C'était absolument magistral. Mais c'était surréaliste. Mais il y a un autre débat pour les primaires de droite et de gauche, je repense notamment, c'est les questions des journalistes. Ce sont des questions, finalement, qui n'engagent à rien. Même si elles m'ont engagement dedans, je vais vous prendre une question qu'un journaliste avait demandé à Manuel Valls et à Benoît Hamon durant le second tour pour la primaire. Il demandait, au début du débat, bon, je n'ai pas la formulation exacte, mais c'était
Est-ce que, monsieur Hamon, monsieur Valls, vous vous engagez pour faire baisser le chômage en France? C'est une question de journaliste. Alors, évidemment, on s'attend peut-être, vu que c'est un débat et qu'ils ont des idées différentes, que l'un va répondre non, mais... Donc, voilà, il y a aussi, effectivement, là, pour le coup... Alors, d'où ça vient? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais pour le coup, pour les exemples qui ont été cités, effectivement, il y avait quand même une médiocrité des journalistes. J'ai l'impression de voir deux dresseurs d'ours, mais pas très compétents, de bêtes fouillées. Qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe la parole, on fait un... Ah bah non, on les laisse parler. Et ça ressemble à rien, quoi. Il y avait... mais c'était le rôle qu'on leur avait donné, je pense. Oui, l'émission qu'on avait, on avait un live, c'était pas volontaire, on avait programmé un live ce mercredi-là, on n'a pas pensé que c'était mercredi ou qu'il y aurait le débat, or c'est toujours mercredi, et même Usul, qui quand même fait la politique, on n'a pas pensé, mais du coup, bon, ça c'est, et mais, oui, nous, on a davantage été... On a fait un live de politique, donc ça va. Voilà, c'était... on peut prendre une toute dernière question éventuellement, et après il faudra qu'on laisse, qu'on rentre dans l'antenne, parce qu'il faut que vous compariez votre intervention d'après. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou une remarque. Parfait. Ah, monsieur, au fond, il faut que j'aille au fond, là. Vous rendez compte? Comment? Oui, alors, est-ce qu'il y a des femmes qui veulent parler? C'est important, parce qu'il y a comme beaucoup de messieurs dans la salle. Où sont les femmes? Ah oui. J'ai très envie de l'avoir. Alors, juste une petite question au niveau de l'importance de YouTube justement dans le monde politique, parce qu'on a, enfin, je suis belge, mais je suivis un petit peu la campagne en France, voilà. Et donc du coup, ben, YouTube a pris beaucoup plus d'importance, en tout cas on en entend plus parler, et notamment via les YouTubeurs politiques, ben, ça s'est revenu dans un live, je ne sais plus, j'avais vu que ben les politiciens sortent sur YouTube beaucoup de vidéos et je voulais savoir un petit peu quelle est selon vous l'influence que ça va avoir, si c'est bon ou si c'est mauvais, et puis est-ce que vous, quelque part, vous aurez plus le rôle de journaliste à ce moment-là sur YouTube? C'est juste un... voilà, question peut-être ouverte. Je pense que les politiciens sont mis sur YouTube pour la même raison que nous autres vulgarisateurs on y est, c'est que le public il est là et que les gens qu'on a envie de toucher, ben c'est public, et il y a de fortes chances que, effectivement, la présence, on va pas citer de nom, même si c'est évident, mais la présence sur YouTube de certains hommes politiques a eu sans aucun doute un grand impact sur la manière dont ils ont été, sur les pourcentages aux élections. On parlait tout à l'heure du temps médiatique à la télévision. Bon, ben, malheureusement, ça, on n'a aucun contrôle. Par contre, YouTube, c'est un petit peu plus facile. Et des militants qui ont envie de soutenir un candidat peuvent beaucoup plus facilement partager massivement des vidéos qu'ils ont sur YouTube que des émissions de télé dans lesquelles de toute façon les candidats ils se font pas. Sur YouTube ils ont le contrôle, quoi, un peu plus. Oui, et c'est aussi, je dirais que YouTube c'est la partie qu'on voit de l'iceberg, ce qui a émergé, c'est l'aspect communautaire. C'est la première fois que je vois ça sur Internet, donc bon. Je pense qu'on peut le citer parce que de toute façon, c'est Mélenchon, hein. C'est Mélenchon qui a lancé ça sur YouTube, qui a trouvé l'angle pour pas non plus jouer aux faux youtubeurs comme certains autres politiques font. Mais... Et donc, ça a créé une communauté qui s'est organisée de façon extrêmement impressionnante. Alors, je ne juge pas du tout les idées, hein. Je parle juste vraiment de l'organisation. Le phénomène est quand même assez inédit. Ah oui, et j'ai jamais vu ça. J'étais dans des groupes militants sur Internet, donc il y avait des organisations aussi de gens partout comme ça. J'ai jamais vu un tel... Et ce sont des gens. Ça partait vraiment des gens. Là, on pouvait le voir eux-mêmes, que c'était eux qui lançaient des initiatives. Ils ont fait des tonnes de graphismes. Ils ont fait un jeu vidéo. Et qu'importe qu'on soit d'accord avec les idées de Mélenchon ou pas, là, il y a eu un élan des gens qui ont fait des choses politiques. Mais alors, il était temps, entre guillemets, que les gauchistes ou de ce côté-là, parce que du côté de la fachosphère, oui. Alors c'était pas c'est pas les candidats qui formaient leur. Mais il y avait des think tanks et des groupes. Voilà. Et Asselineau a aussi fait, en effet, un travail sur les réseaux. Enfin, Asselineau, en tout cas, ceux qui suivent. Voilà. Donc il n'y a pas que Mélenchon, et il y a tout un panel plutôt orienté
à droite qui occupent le terrain depuis très longtemps parce qu'ils sont dans la résistance à des médias qu'ils considèrent comme étant vendus. Alors que du côté de la gauche, c'était un peu moins le sentiment qu'on avait. J'ai l'impression que le sentiment évolue aussi vers ça. Donc on a, ça se cristallise des deux côtés. Et malheureusement, ça se rapproche d'une pensée conspi des deux côtés. Et je pense que ça ne semble pas très bon pour une démocratie quand les gens des deux côtés sont conspi et qui pensent que... Du coup, si tout le monde est conspi, c'est qu'il n'y a plus personne pour conspirer. Donc, du coup, c'est en même temps. Enfin, d'un autre côté... C'est ma conclusion. D'un autre côté, il y a des études qui ont montré que les personnes qui étaient les plus conspi étaient celles qui étaient le plus enclines à avoir envie de participer au complot. Je veux jouer avec vous. Peut-être minutes, ouais. Oui, peut-être, je sais pas, sauf s'il y a une question, ou peut-être qu'on conclure, ouais, je sais question, pas. Ça, on va conclure. Un dernier mot. Passera Pontin. Passera Pontin. Flûte. Populaire. Comment ? Je dis populaire. Chou-fleur. Voilà. Ce sera donc notre dernier mot. Sans langue de bois. Ça fait trop bon, Michel Bichou. Merci aux organisateurs du PAX. Et nous avons invité, et bien on espère que ça se renouvellera l'an prochain à Arlon. Oui, puisque voilà, c'est, vous voyez, ça marche, la technique marche bien, on a des belles caméras. Et donc, vous retrouverez ça sur YouTube. Une chaîne déjà qui existe ? La chaîne d'Arlon, mais. La chaîne d'Arlon ! La chaîne Arlon, j'ai Michi Arlon. Et ben, notre chaîne voilà. YouTube, et certainement que les interventions ici sont. On partagera. Diffusé sur, on partagera donc sur la chaîne d'Arlon, Infojoin, etc. On vous tiendra au courant, on vous garde. De toute façon, vous serez en ligne d'ici quelques temps. Que... Bonne nuit. Et je suggère de militer pour de meilleures bières l'an prochain. Comment ? Oh. C'est pas...